Découvrir notre nouveau gel contour des yeux numéro 3 pour celles qui l'ont découvert dans notre trousse exclusive. Alors, vous êtes bien chanceuses, celles qui ne l'ont pas encore découvert. J'espère qu'après ce petit vidéo, je vais vous donner le goût. Donc, vous me demandez peut-être pourquoi le contour numéro 3. En fait, j'ai trois points à vous amener aujourd'hui. D'abord, on a un concept de trois acides hyaluroniques. C'est ce complexe de trois acides hyaluroniques qui va donc travailler au niveau de la peau à trois niveaux différents. Pour venir sortir la tonicité de la peau, la fermeté de la peau, la radiance de la peau aussi. Donc, on parle vraiment d'un complexe vraiment complet. En plus de ça, mon prochain point serait un extrait d'algue qui s'appelle la Chlorella vulgaris. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va créer une micro-stimulation au niveau de la peau pour vraiment venir amplifier les effets de tonicité, de fermeté, d'hydratation même de la peau. Donc, vraiment une combinaison anti-âge extraordinaire. Et troisième point, et je vous le montre, je pense qu'une image vaut mille mots, c'est notre petit applicateur métallique ici. Simplement sortir une petite quantité, il en faut très peu parce qu'on parle vraiment d'une texture très fluide. Et on vient ensuite faire un micro-massage au niveau de la cerne, donc autour des yeux. Ça fait un effet glaçon, rafraîchissant, c'est vraiment, vraiment agréable, surtout le matin quand on a des petits yeux fatigués. Donc, je vous montre comment rapidement c'est absorbé dans la peau. Puis en fait, ensuite, il n'y a pas d'effet collant. En fait, même c'est soyeux. Un peu comme l'effet d'un préparateur, une base maquillage. Donc, parfait en dessous d'un cache-cerne. Bref, ces trois points-là, c'est des points qui font de ce petit bijou-là vraiment mon nouveau produit préféré. Évidemment, vous connaissez la Parisienne, c'est le mien. Mais maintenant, c'est mon nouveau. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Maintenant, disponible à l'unité. Bonne journée!